Donc tout d'abord, personnellement, pâtisserie. Donc j'ai laissé tomber mes études de marketing pour m'orienter vers la cuisine, quelque chose qui me passionnait depuis petit. Donc et depuis, je m'épanouis dedans. Je vous propose plusieurs types de prestations. Donc il y a la prestation des brunchs, les lunchs pour les box du midi, les box du dîner, où les personnes qui n'ont pas envie de cuisiner le week-end, le soir, peuvent faire appel à moi. Je fais aussi des prestations traiteurs pour tout type d'événements, mais vraiment petit comité pour pouvoir choisir ma clientèle. Donc jusqu'à 40 personnes maximum. Ce qui font moi mes produits uniques, différents, c'est que j'aime travailler avec les produits locaux. Donc notamment les produits du terroir, les lapins qu'on peut retrouver chez moi, jus de feuilles, infusion de plantes médicinales qu'on a dans notre entourage. Donc pour moi, c'est très important de mettre la touche sur l'accent local, sur tout ce qui est pays, tout ce qui vient de chez nous et de sublimer tout ça. Alors, chez moi, on pourra retrouver le tacos de fiapin que j'ai eu plaisir à cuisiner puisque au lieu de retrouver la galette classique mexicaine que tout le monde voit partout, j'ai préféré mettre en avant les produits du pays. Et aussi, on pourra retrouver des veloutés avec du foie gras boucané que je fais moi-même, boucané. Et avec les légumes du pays, donc à base de giraumon et de patates douces. Mais ce qui m'a influencé, c'est déjà l'amour de mon pays. J'ai jamais voulu partir faire mes études ailleurs, je voulais rester ici pour pouvoir justement sublimer ma cuisine. Donc de voir que on est quand même un pays qui accueille beaucoup de diversité au niveau de la culture, donc je souhaite quand même conserver la nôtre. Et c'est pour ça que j'y mets le cœur à faire en sorte de toujours mettre en avant les produits du pays. Donc en vrai, c'est ça ma motivation pour cuisiner. Alors, on peut aussi retrouver chez moi des jus locaux, bon, fait par mon cousin, parce que nous sommes aussi passionnés par tout ce qui touche au pays. Donc, il fait son marché, tout comme moi, avec les fruits du pays pour pouvoir nous faire des jus. On pourra trouver différents parfums, comme le jus de pastèque, orange carotte, citron gingembre et menthe. Donc, les choix sont multiples et variés. Bien sûr, je souhaite développer ma structure, mais la développer dans l'optique de pouvoir accueillir des jeunes en situation de handicap, les jeunes mères de famille, ainsi d'autres jeunes qui souhaitent apprendre les bases de la cuisine pour pouvoir au quotidien faire plaisir à leur famille et leurs proches. La petite anecdote, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dario Sweetbox, c'était une femme qui cuisinait tout ça, mais c'est un homme, c'est moi, c'est une passion, c'est, voilà. Donc ça, c'est drôle. Quand de voir qu'on m'appelle et généralement les gens s'attendent à voir une femme, mais c'est moi, c'est un homme qui répond. Donc c'est un homme qui façonne toute cette cuisine. Alors pour me suivre, vous pouvez me retrouver sur mes pages Instagram, donc Chef Jordan ou sweetbox.97. Et je suis joignable sur WhatsApp au 0696 32 82 85. Donc n'hésitez pas à liker.